Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne L'Atelier Créatif de Miss Lolo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ici ça va, on est aujourd'hui le samedi 4 septembre. Et cet après-midi, pendant la sieste de ma fille, mon fils est occupé de jouer à l'ordinateur un petit peu. C'est son petit moment à lui. Chérie fait ses petites figurines. Et moi, du coup, j'ai profité pour aller faire un tour dans le garage, faire un petit tri dans mes DP, enlever des boîtes. J'ai des DP en boîte. J'ai enlevé les boîtes, j'ai mis les DP à plat dans les pochettes et j'ai rangé les diamants à part. Bref, j'ai fait du rangement et maintenant je profite pour faire une petite vidéo, peut-être même deux parce que j'ai reçu deux colis aujourd'hui. Donc là, je vous fais la vidéo de l'unboxing partenariat avec DP Club qui m'avait proposé un partenariat aux alentours du 20 août. J'ai choisi les produits le 25 août et je les ai reçus aujourd'hui le 4 septembre. Du coup, j'ai choisi 6 produits que je vais sortir du paquet et que nous allons regarder ensemble. J'avais ouvert le paquet parce que j'ai reçu 2 colis aujourd'hui, comme je vous disais, et je ne voulais pas me tromper en faisant la vidéo. Alors, 1, 2, 3, 5 et 6. Alors, je vais prendre mon marqueur et j'ai mon ciseau à côté. Donc on a bien les 6 produits, 3, 4, 5 et 6. Alors on va faire une toile à la fois. Je vais mettre là. Alors c'est parti, j'en avais ouvert une. Comme je vous disais, pour ne pas me tromper. Par contre, je vais écrire tout de suite sur le paquet. Alors, c'est du coup DP Club, le 4 septembre. Voilà, et du coup la toile, on va regarder ensemble ce que c'est. Alors, ah oui, alors du coup c'est la suite de la collection en diamant cristal qu'ils appellent en 30 par 40, et c'est les personnages Disney. Donc moi je vous ai fait un autre partenaire, je bafouille un petit peu, avec un autre partenaire j'avais fait la toile Marie des Aristochats. Je vous l'ai présenté, la toile finie d'ailleurs, dans une précédente vidéo. Et comme il y avait d'autres modèles, j'ai profité de ce partenariat pour prendre les autres modèles qui me plaisaient énormément. Alors, j'ai toujours le toolkit de base, comme d'habitude. Nous avons donc alors la toile en diamant cristal, le petit stitch, qui est juste super joli. Alors, ça colle très très bien. On a ici 15 couleurs. Et alors, si on regarde les diamants, on a du bleu clair, du bleu foncé, on a du des strass rose. On a des diamants en forme de cœur, on a de l'argenté, pardon, du bleu clair, du bleu un peu plus foncé et du bleu très foncé, du rose, du blanc. Donc je pense que ça va être encore une fois une jolie toile. Je me demande si... Oui, on a du noir également. Donc évidemment, je la ferai et je vous la montrerai une fois terminée. Donc la petite stitch. Alors, je vais écrire sur le paquet que c'est Stitch Cristal. Hop. On va mettre à l'intérieur. Ensuite, la toile suivante. Et la Stitch, elle était au prix de 6,39 $. Alors, je vais écrire tout de suite sur l'enveloppe ce que c'est. DP Club. Toujours le 4 septembre 2021. Ça a l'air d'être une toile en cristal. Et là, nous avons la suite de la collection. Oh, il est trop mignon. Le petit Winnie l'ourson. Franchement, j'adore. Cette collection-là, elle me donnait trop envie. Le toolkit toujours. Et là, au niveau des diamants, bien évidemment, on a du jaune, du rouge, du bleu, du noir, du rose, du jaune très clair, du jaune un peu plus foncé. Elle va être... Alors, elle a 18 couleurs, celle-ci.
Elle colle toujours très très bien et elle est juste trop trop mignonne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Donc je vais écrire tout de suite sur l'enveloppe que c'est Winnie. Et à mon avis, elle sera faite très très prochainement. Elle est juste magnifique. Les couleurs et tout, ça donne trop envie. Elle est toute mignonne. C'est rare que je fais du Winnie l'ourson en plus et j'aime beaucoup. Ensuite, donc la Winnie l'ourson, elle est toujours à 6,39 $. Alors, on va prendre la suivante. Ça colle tellement bien qu'il vaut mieux que je le prenne au ciseau. Alors, je vais écrire déjà sur l'enveloppe que c'est toujours DP Club. Le 4 septembre, je les ai reçus. Hop. Je préfère noter la date, ça me donne une petite idée. Alors ici, on a Porciné, donc toujours la même collection, hein, comme je vous avais dit. Porciné qu'on voit rarement en DP, toujours le toolkit. Et il est juste trop mignon également. Alors, petit Porciné, il a 15 couleurs. Ça colle également très très bien. Alors, on a du rose, on a de l'argenté, on a du mauve, on a du bleu très clair. Il n'y a pas de noir. Ah si, il y a du noir. Il y a du noir, mais elle va être juste sublime. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais au final, après, ça va donner ça, un fond rose avec petit Porciné. Ça va être trop, trop mignon à faire également. Toujours en cristal. Donc voilà pour ça, toujours en 30x40, toujours en cristal, donc Porciné cristal, et toujours à 6,39 $. C'est ça. Hop, ensuite, une autre toile. Donc toujours dans la même collection, nous avons... Oh, elle est trop canon. Nous avons la petite tête de Donald. Elle est trop, trop canon. Je vais vous faire un peu de place peut-être. Alors, ça c'est fait, ça c'est fait. Ça c'est fait. Il nous reste deux produits. Alors, voilà, ce sera plus simple. Elle est juste magnifique. On a toujours le toolkit de base. Alors ici pour notre petit Donald, on a des diamants nacrés jaune, on a des strass orange, oh là là j'ai un peu de mal, du bleu, de l'argenté, du noir, des cristals bleus moyens, des bleus plus petits, du blanc bien évidemment. Elle a 15 couleurs et ça colle très très bien. Donc franchement, celle-ci c'est pareil, je pense que ça sera fait... Bon, après, je reprends le boulot à partir de lundi, donc le 6 septembre. Donc, je ne sais pas trop comment je vais m'organiser au niveau du DP. Bon, j'en ferai toujours le soir. Hein, c'est mon petit rituel le soir. J'aime bien faire du DP une heure ou deux. Il y a un soir dans la semaine où je fais une petite soirée télé avec mon chéri quand même. Hein. Mais c'est vrai que je fais souvent du DP le soir et pendant la sieste de ma fille. Donc quand je travaille le matin, l'après-midi, pendant la sieste de ma fille, je fais un peu de DP. Donc on verra comment je vais faire. Alors il reste deux toiles. Il me reste une toile en diamants spéciaux. Non, il me reste deux produits, pardon. Une toile en diamants spéciaux et un petit objet. Ensuite, j'ai choisi... Ah oui, j'ai pris un petit pingouin. Je le trouvais trop choupinou. Choupinou, j'ai piqué le mot de Sabrina sans le vouloir, les passions de Sabrina, excuse-moi. C'est vrai que c'est un petit mot que tu utilises souvent, ça doit être à cause de tes vidéos que j'écoute très souvent, du coup je pique un peu tes mots, excuse-moi. Mais j'ai trouvé trop chou ce petit pingouin, et donc pour les fêtes de Noël, bah pourquoi pas. Du coup c'est un pingouin en diamants spéciaux, on a toujours le toolkit de base que je ne présente plus. Alors là, on a le bonnet, le petit cadeau, l'écharpe et les pattes à diamanter du petit pingouin.
Donc je pense que c'est un petit DP qui va aller vite à faire. Il a 7 couleurs. On a des strass bleus, on a des AB, des strass orange, jaune doré, pardon. Donc ouais, ça va aller vite à faire, je pense bien. Mais dans tous les cas, vous le verrez terminé sur la chaîne. Je pense le faire du coup d'ici novembre. Je pense que les petits objets de Noël, je les ferai d'ici novembre, je pense. Donc c'est toujours DP Club. Et ce petit pingouin, il était au prix de 6,39 $ également. Le petit pingouin, et on est toujours le 4 septembre. Donc voilà pour ça. Et ensuite... un dernier petit objet que je vous ai déjà présenté sur la chaîne, et en fait j'en ai repris un deuxième. Normalement c'est pas le même modèle, j'ai pris un deuxième pour comme vous savez j'ai deux enfants, pas de jaloux, ils auront chacun le leur. Je pense que c'est les mêmes que j'ai pris, je sais même pas, je me rappelle plus de l'autre modèle que j'ai choisi. Donc c'est une petite paire de lunettes pour les fêtes de Noël. Je trouvais ça trop mignon. Je sais que ma fille aime jouer avec ses petites lunettes de soleil. Elle a des lunettes de soleil en plastique, hein, bien évidemment. Elle aime jouer avec quand elle joue avec ses petites poupées. Donc je me suis dit que ça allait lui plaire. J'en ai pris également du coup une pour mon fils. Ils choisiront celle qu'ils veulent. Là, sur celle-ci, il y a un petit bonnet de chaque côté. Et l'autre paire, il me semble que c'était un seul bonnet, en fait, qui vient par-dessus. Donc ils choisiront celle qu'ils veulent. Ça ne me dérange pas. Voilà. Ensuite, au niveau des diamants, bah, c'est comme l'autre, hein. On a du diamant, du strass, pardon, rouge, vert et argenté. Donc, trois couleurs simplement. Après, il n'y a rien de compliqué. Il n'y a pas plus à faire, quoi. C'est très bien. Donc, voilà pour ça. Et les petites lunettes étaient au prix de 4,99 $. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je remercie beaucoup DP Club pour... leur gentillesse au niveau des... quand on a échangé les mails, ça s'est très bien passé, ils sont très très gentils, donc je les remercie pour les produits qu'ils m'ont envoyés. J'espère qu'on pourra continuer le partenariat ensemble, parce que c'est vraiment une super boutique, donc à voir, à faire, à suivre. En tout cas, j'espère que cette vidéo et les produits vous auront plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser un petit pouce en l'air si ça vous a plu, un petit commentaire, ça fait plaisir aussi. D'ailleurs, il faut que je reprenne mon retard sur les dernières vidéos au niveau des commentaires, il faut que je réponde. Ça sera fait très prochainement. Donc voilà, je vous souhaite à tous et à tous une bonne après-midi ou une bonne soirée, tout dépend quand vous regarderez ma vidéo. Je vous souhaite à tous et à tous de très bons DP, éclatez-vous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye.